Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tuto qui va concerner tout ce qui est remorque au-delà de la simple, hein. Donc bitrain et fourgon HCT, etc. Tout ce qui comporte plus de deux remorques, quoi. Donc comme vous avez pu vous rendre compte, vous pouvez pas les déplacer où vous voulez dans les garages. Donc je vais vous proposer une solution que j'ai trouvée sur un site. Je vous mettrai sans doute le lien en description si j'y pense. Alors je ne sais pas si c'est l'auteur originel, hein, mais c'est là que moi j'ai trouvé. Je sais qu'il existe des vidéos en anglais, j'en ai pas vu en français, donc je la fais. Donc, alors, il faut juste que j'aille m'acheter une remorque pour la démonstration. Ah, pour en faire une toute simple, toute basique. Voilà, ça ira très bien. Acheter, et là, vous voyez, hein, je ne peux pas, je suis obligé d'aller en Finlande. Hop, on va en Finlande. Ah, d'ici, vous allez aller enregistrer votre partie, donc enregistrer la progression. Hop, vous mettez un nom, hein, on s'en fout. Enregistrer, et surtout, au lieu de préciser, regardez bien l'heure, parce que vous risquez d'en avoir plusieurs des sauvegardes, donc vous regardez bien l'heure. Moi, 5h16, on a vu. Là, vous quittez le jeu. Hop. Et on va se rendre dans les documents. Alors, ici, vous allez là, ce PC, documents, Eurotruck, profil. Donc là, vous sélectionnez profil que vous utilisez actuellement ou vous voulez faire la modif. Donc moi, c'est celui-ci, le premier, save. Donc on a dit 5h16. Hop, non, ouvrir, pardon. Donc là, on va vouloir ouvrir ce dossier. Ça sert à rien de l'ouvrir là tout de suite, il vous faut pour l'ouvrir ce petit logiciel. Donc je vous mettrai le lien pour télécharger en dessous de la vidéo dans la description. Donc là, une fois que vous avez le logiciel, ça prend pas longtemps à télécharger normalement, vous allez le glisser dedans, il va ouvrir avec ça, mais vous voyez, il ne l'ouvre pas en fait. C'est juste qu'il le décrypte et ensuite vous l'ouvrez. Là, ça met un petit peu de temps à charger, c'est normal, il y a beaucoup de lignes, voilà. Voilà, bon, bah, il y a tout ça, c'est très bien, hein. On ne sait pas à quoi ça correspond. Cela ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher ceci, country. Donc pas la danse, hein, c'est l'équivalent du pays en anglais. Voilà, et ben, j'aurais pas dû le fermer tout de suite. Recherche country. Donc moi je descends tout en bas, hein, vous arrêtez à la remorque que vous désirez. Parce qu'en fait à chaque fois country, vous voyez, il figure sur chaque type de remorque. HCT, là j'en ai une et vous voyez moi elle est déjà modifiée celle-là, donc je peux pas m'en servir. Là, ça c'est une simple. Donc je dis country, voilà. Ça c'est bien la dernière. Donc ici, donc vous voyez, là, ça qu'on va enlever. Validity, il y en a un, ça nous va pas, nous on veut qu'un des zéros pour qu'on puisse aller partout. Donc vous sélectionnez, vous remplacez par zéro. Pareil, ça, vous voyez là, ça c'est en gros, ça va expliquer au jeu comme quoi c'est bien une double remorque HCT ou bitrain selon ce que vous modifiez. Donc pareil, on va vouloir modifier. Donc moi je vais copier ici, je vous mettrai les lignes à copier pour que vous puissiez les coller tout de suite sans écrire. Je vous les mettrai dans la description en dessous. Hop, nul. Voilà, donc on revérifie bien. Alors évidemment, cette manie, il faudra la faire pour chacune de vos remorques que vous voulez. Donc vous voyez, moi là, ça c'est une remorque. Tout ça là, ça c'est une remorque. Ça c'est les lignes pour une autre remorque. Et ça c'est celle qu'on vient de faire, donc c'est une autre remorque. Hop, on ferme, on enregistre. Ça, on peut fermer. On peut fermer. On relance le jeu. Hop, on passe, ok, continue, dans le petit chargement, et là, avant de faire conduire, vous allez ici, dans un sauvegarde et chargé, et vous chargez la partie que vous avez enregistrée tout à l'heure, parce que nous, en fait, votre jeu, quand vous le fermez, il fait une sauvegarde rapide, sauf que nous, on n'a pas modifié la sauvegarde rapide, on a modifié la sauvegarde que vous avez créée. Ici, donc là je retourne ici, gestion remorque, donc
on retourne sur la remorque qu'on avait tout à l'heure, hein, donc c'est bien celle-là, la bleue toute simple, et la déplacer, et hop, vous voyez, tous les garages sont débloqués, je ne suis plus coincé en Finlande, je peux la mettre, par exemple moi, à Metz, hop, utiliser, la remorque sélectionnée est attelée, conduire, et voilà, donc je me suis tubé à Metz, hein. Et là vous pouvez aller absolument partout. Et là c'est on peut cliquer, aller à Marseille, vous pouvez aller où vous voulez. Et ça marche même en multi. Hein. Ah mince. Hop. Voilà. Là la remorque elle m'attend ici. Voilà, donc cette manip, vous voyez, comme j'ai dit, fonctionne sur multijoueur. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un mod, mais d'une édition de sauvegarde. Donc voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider, que vous pourrez vous amuser un peu plus avec les doubles remorques. Donc moi je vous dis au revoir.